L'État nous a confié une mission. On relèvera le défi. Nous sommes les enfants du Bénin. Rien ne sera laissé aux mains du hasard. La vérité pure, ils le savent. La discipline sera coriace. Mais moi, j'ai vu en esprit que parmi les enfants qui sont dans mon dos, il y en a qui ont joué dans les plus grands clubs, dans les pays les plus développés. J'en suis convaincu. Je dis, je sais que je suis enregistré, que toutes les autres équipes dans la division où nous jouerons se battent pour la deuxième place, la première prise. Dans l'ombre d'un club à l'appétit vorace, des dirigeants qui rêvent grand. Mon gros défaut, j'aime pas faire demain ce que je peux faire aujourd'hui. C'est quand le début des championnats, c'est quand la balle au centre. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Je me suis permis de dire, je le répète ici avec respect, en matière de football, battez-vous pour la deuxième place. La première est prise par l'Auto FC. 31 août 2020, la prophétie de Gaston Zosou est gravée dans le marbre. Le pari osé du directeur général de la Loterie Nationale du Bénin devant un monde du football manifestement sceptique. Moins d'un an plus tard, l'autopopo trône sur le Bénin du football. C'est fini! C'est fini! L'autopopo est champion! Ils sont champions avec la manière. La sensation a démarré lors de la première phase avec la Ligue Pro où l'Auto Popo s'est qualifié avec brio pour la Super Ligue Pro. Une compétition qui a mis en opposition les 12 meilleurs clubs du Bénin. Parmi ces 12, il faut dégager le champion après 18 journées. Les deux premières places sont qualificatives pour une compétition africaine et dans le sillage des anciens, l'Auto Popo se trace progressivement son sillon. Sur la route du sacre, il y a eu des embûches, mais le capitaine du navire, toujours rassembleur, harangueur, motivateur et psychologue, s'est dompté le moral de la troupe. Là-haut, dans les gradins, juste en bas dans les vestiaires ou même aux alentours de la pelouse, il donne de sa présence et de son sens du parler. Nous allons décider cet après-midi d'être appelés les champions du Bénin. Cet après-midi, nous allons décider de jouer la Champions League africaine. À partir de cet après-midi, sur le CV de chacun, on écrira champion du Bénin. Vous allez jouer chacune des 90 minutes comme si c'était la seule minute. La toute dernière minute d'un match. Chaque minute. On ne lâche rien. Quand l'adversaire a la balle, on s'organise, on est enragé pour lui récupérer la balle. On la garde pour nous, on s'organise. C'est nous qui commandons. Dieu vous donne toute la force, toute l'intelligence, toute l'explosivité, parce que vous êtes les meilleurs. La correction sera donnée à Dynamo, et nous serons ce que j'ai dit depuis longtemps et qui va se concrétiser. 14h18, direction le stade Paulin Thomas-Daga de Boïcon, où l'Autopopo a rendez-vous avec l'histoire. Stanislas Ahomlanto va lancer le match sous des gouttelettes d'eau. Dans ce match, Dynamo n'aura existé que 29 minutes. 30e minute, l'éclair Faisal Bachir réchauffe le stade sur un chef-d'œuvre. Il vient de montrer qu'il est l'homme de ce championnat. Nous reçoit Léo Corse la note avant la pause, en mystifiant toute la défense de Dynamo de Parakou. À la reprise, la rencontre rime au sens unique. 48e minute, Cosmos David rend la note salée sur un service de Faisal Bachir, encore lui. Faizou Para participe aussi au festival. Il marque à la 68e minute. Un résultat qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, au grand bonheur des hommes de la Loterie Nationale du Bénin, qui exulte. Le champion du Bénin 2020-2021 sur 18 journées a enregistré 12 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. C'est aussi la meilleure attaque de la Super League Pro avec 34 buts inscrits.
Le club détient le meilleur buteur du championnat, Faisal Bachir, auteur de 11 réalisations. L'Autopopo est sur le toit du foot béninois pour le compte de la saison 2020-2021 avec 39 points et un goal différentiel de 19 buts. L'Autopopo, un pour tous pour un.